Vanessa, alors, raconte-nous. Bon, plutôt de bonnes nouvelles pour cette semaine, avec toujours un anticyclone dans le coin pour nous apporter un petit peu de soleil. En ce qui concerne ce lundi, il va falloir attendre cet après-midi, puisque la pluie est passée sur le pays cette nuit, et qu'on la retrouve sur l'Est, comme vous pouvez le voir ici, des routes très très humides. Nous sommes à J, en Meurthe et Moselle. De la pluie qui se concentrera vraiment tout au long de la matinée, du sud-ouest jusqu'au Grand Est, l'Alsace, la Lorraine. Assez intense, hein, vraiment, de Strasbourg jusqu'aux Alpes du Nord, plus faible du Massif central jusqu'aux Pyrénées. À l'avant de cette pluie, un ciel toujours très humide, beaucoup de nuages sur le centre, sur les frontières de l'ouest, mais un temps sec, seulement un petit peu de grisaille vers le Limousin ou vers les Hauts-de-France. Grisaille également en Méditerranée, surtout de la côte d'Azur jusqu'à la Corse. Mais regardez la carte pour cet après-midi, nettement plus agréable, avec du soleil pour pratiquement tout le monde. Seulement encore des nuages bien accrochés des Alpes du Nord à Strasbourg ou encore sur la chaîne pyrénéenne. Partout ailleurs, un temps vraiment très agréable avec des températures aux allures printanières. Déjà ce matin, c'est très doux, de 9 à 13 degrés sur le nord, 16 degrés déjà ce matin à Clermont-Ferrand, et pour cet après-midi on reste bien au-dessus des courbes avec cette douceur, souvent de 15 à 25 degrés. Demain ça restera très très agréable avec encore pas mal de soleil au programme, seulement quelques nuages sur les côtes de la Manche, une petite averse orageuse sur les Pyrénées, quelques averses orageuses aussi sur la façade ouest pour la journée de mercredi. Soleil partout ailleurs, toujours dans la douceur.